Qu'est-ce que la sociologie pour un élève de philosophie? Il nous a semblé qu'il était important de poser cette question si nous voulions proposer une image juste, c'est-à-dire rectifiée, de la sociologie. En effet, il suffit de réfléchir quelques instants pour apercevoir que la tradition scolaire véhicule une image de la sociologie qui correspond assez peu à l'image que nous en faisons en tant que praticiens de cette discipline. Oui, et nous voudrions essayer de montrer en quoi cette image traditionnelle, réduite à une sorte d'urchémisme, délavée et routinisée, correspond très peu à la réalité de la pratique scientifique en sociologie, étant entendu par ailleurs que une image plus moderne, si l'on peut dire, de la sociologie, celle qu'ont véhiculé les magazines, la presse, la radio, l'image des sondages d'opinion, l'image des enquêtes à grand spectacle, n'est guère plus juste que l'image traditionnelle. Oui, on pourrait dire, finalement, il y a toute une imagerie très fournie de ce qu'est la sociologie. Et outre les images scolaires dont nous venons de parler, les images, par exemple, qu'on pourrait appeler prophétiques ou pathétiques, c'est-à-dire ce discours sociologique sur les maux de notre société, sur son destin, lui aussi contribue à éloigner de ce qu'est le véritable travail sociologique. Par exemple, pour illustrer immédiatement les tromperies, enfin les représentations mystificatrices enfin de la sociologie, je pense qu'un certain type de propos sur la télévision, sur les effets sociaux de la télévision, qui est en continuité directe avec le discours le plus commun sur la fascination qu'exerce la télévision, ce type de propos tend à instaurer dans l'esprit des profanes une représentation profondément fausse de la sociologie en laissant croire que la sociologie est dans le prolongement du discours spontané sur le monde social. Il y a aussi, enfin, outre cette image prophétique de la sociologie, qui est sans doute la plus voyante, il y a aussi l'image qu'on pourrait appeler pragmatique de la sociologie, c'est-à-dire l'image du sociologue comme assistant social des grands ensembles ou comme conseiller du prince des grandes décisions politiques, image plus prestigieuse ou plus rassurante si on pense à l'assistante sociale, mais finalement tout aussi éloignée de ce qu'est le travail scientifique réel. Et bref, si à partir de cette sorte de sociologie, des représentations sociales de la sociologie que nous voulons esquisser, nous voulions dégager la problématique qui nous est imposée, nous pourrions la formuler ainsi, est-ce que la sociologie est une science et est-ce que la sociologie est une science comme les autres? Et à cette question, nous voudrions répondre d'une façon assez simple. La sociologie est une science comme les autres, à la différence que le fait qu'on la pense comme différente et que parfois elle se pense comme différente lui rend plus difficile la tâche qui s'impose à elle d'être une science comme les autres. Oui. On pourrait ajouter que ce en quoi la plupart des gens pensent que la sociologie n'est pas une science comme les autres, c'est-à-dire par où ils en font une science plus difficile, c'est finalement qu'ils la croient une science beaucoup plus facile que les autres, beaucoup plus immédiatement accessible. Oui, et c'est cette illusion de la facilité qui nous paraît constituer la difficulté fondamentale d'être sociologue. Cette illusion était déjà exprimée avec beaucoup de force par Durkheim dans des textes qui, toujours relus, ne sont jamais vraiment lus, sous la forme de ce que Durkheim appelait l'illusion de la transparence. En effet, chaque sujet social, en tant qu'homme, pense qu'il est ipso facto savant de l'homme. Et je pense que l'expression « sciences humaines » devrait être bannie du dictionnaire en raison des connotations humanistes qu'elle véhicule et
en raison du fait qu'elle tente à accréditer cette représentation selon laquelle il suffirait de se réfléchir en tant que sujet social pour découvrir la vérité du social, pour faire la sociologie scientifique. Et cette illusion, donc, nous voudrions la dénoncer très fortement en essayant de montrer par quelques exemples en quoi la sociologie doit commencer par une rupture, au sens bachelardien du terme, avec toutes les idées reçues, et en particulier l'idée que les idées reçues peuvent tenir lieu de science. Pour forcer au fond ce que nous voulons dire, nous voulons présenter une image de la sociologie qui ne la sépare pas de ce que l'épistémologie des autres sciences a pu dire sur le travail scientifique. C'est pourquoi Bachelard serait implicitement présent, devrait être implicitement présent dans tout ce que nous allons dire. Lorsque Bachelard présente le travail scientifique comme devant satisfaire aux exigences d'une rupture avec toutes les images premières ou perceptives du sujet, lorsqu'il la présente ensuite comme devant construire ses faits, et enfin, comme devant les éprouver dans l'expérience, ces trois mouvements par lesquels l'épistémologie bachelardienne définit la science nous semblent pouvoir s'appliquer, mutatis mutandis évidemment, au travail du sociologue. À cette réserve près que la rupture, la construction et le constat sont en sociologie beaucoup plus difficiles qu'ailleurs, et presque toujours cette difficulté passe par l'impression ou l'illusion de facilité. Alors, si nous prenons ce premier moment qui constitue l'acte scientifique comme tel, la rupture avec les perceptions premières, c'est toute la sociologie spontanée que chaque sujet social a qui, ici, se trouve bien plus difficile à surmonter que la physique spontanée dont parlait par exemple Bachelard. Cette sociologie spontanée que Durkheim analysait sous le nom de prénotion, cette sociologie spontanée, c'est-à-dire cet ensemble d'opinions que tout le monde a sur la manière dont marche la société, sur les raisons pour lesquelles les trains n'arrivent pas à l'heure ou pour lesquelles on est en retard parce qu'il y a des embouteillages, etc. Cette sociologie spontanée, il est très difficile de s'en débarrasser. Finalement, même le sociologue est toujours habité par le sujet social qui n'a jamais complètement fini d'être, et par conséquent, la tâche de critiquer les prénotions de la sociologie spontanée est une tâche toujours recommencée, et c'est une tâche que le sociologue doit perpétuellement reprendre dans son travail de recherche, quelle que soit l'opération à laquelle il est affronté. Ce qui rend la sociologie spontanée particulièrement pernicieuse, c'est qu'elle ne se contente pas de donner des explications ad hoc, enfin pour tous les problèmes sociaux que pose la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas d'annuler les problèmes en les résolvant à trop bon compte, elle repose sur une philosophie du social qui est aux antipodes, enfin, de la philosophie du social que la sociologie doit poser par postulat pour se constituer en tant que telle. Et en particulier, cette sorte d'athéisme du monde moral, pour reprendre la formule de Hegel, que, que le sujet social véhicule dans son expérience, porte chaque sujet social à vivre le monde social comme lieu de volonté libre, lieu d'action qui sont inspirées par des intentions conscientes, délibérées et à la limite arbitraires. Bon. Dans ces conditions, on voit que la sociologie ne peut pas ne pas rompre décisoirement et décisivement avec cette philosophie en posant par postulat que les sujets sociaux ne savent pas le sens de ce qu'ils font, et que lors même qu'ils croient le savoir, ils engagent dans leur conduite un sens objectif qui n'est jamais réductible au sens vécu. Bon, ce postulat que nous pourrions appeler postulat de la non-conscience n'est autre chose que la reformulation dans le langage propre d'une science de l'homme du postulat du déterminisme méthodologique. Je crois qu'on pourrait maintenant essayer d'énoncer le principe commun à toutes ces
images publiques de la sociologie que nous avons énumérées en débutant. Et ce principe, c'est finalement celui de l'humanisme. C'est-à-dire que la sociologie porte ce handicap que tout homme se croit un peu sociologue parce qu'il est homme. Oui, il pense qu'il suffit d'être humain pour être sociologue et qu'on peut rester humain tout en étant sociologue. C'est cela, parce que tout homme porte un quasi-sociologue en lui et le sociologue hésite toujours à abdiquer l'homme que les autres hommes lui demandent de rester. Et on aurait dans l'humanisme, à mon avis, le principe de toutes les résistances à ce qui fait l'aspect proprement scientifique du projet sociologique. Et par exemple, une question, une façon noble, enfin, de formuler la question naïve que le grand public pose aux sociologues pourrait être « la sociologie est-elle un humanisme ?» Et en fait, un certain type de représentation philosophique, enfin, tendrait à répondre oui à cette question en présupposant que la sociologie peut être une science réflexive par opposition à la science expérimentale, c'est-à-dire que par un certain retour réflexif sur l'expérience originaire du social, sur la manière d'être homme en société, sur les relations fondamentales entre les hommes, qu'il s'agisse des relations à l'intérieur de la famille, des relations de conflit ou de consensus à l'intérieur des groupes, etc., par une réflexion de ce type, on pourrait développer un discours qui permettrait finalement de faire l'économie de l'expérience. Or, en fait, la sociologie est une science expérimentale, c'est-à-dire que le sociologue n'est pas un homme de cabinet qui réfléchit sur son expérience vécue, mais quelqu'un qui se donne les moyens de recueillir non seulement l'expérience vécue des autres, mais surtout leur conduite, leurs actions réelles. Et c'est à partir de cette connaissance scientifique, enfin des actions des autres, de leur conduite, de leurs propos à la rigueur, bon, qu'ils constituent ce système de relations objectives que l'on peut appeler science sociologique. Alors, pour que la sociologie puisse être science expérimentale, elle doit poser par postulat un certain nombre de principes qui définissent ce que l'on peut appeler la théorie de la connaissance du social. Ces principes qui sont purement et simplement le contre-pied des présupposés implicites de la sociologie spontanée. Alors, ces principes, bon, nous en avons déjà formulé un, le principe de la non-conscience, et nous disons non-conscience plutôt qu'inconscient, parce que le mot inconscient véhicule enfin, des significations mal contrôlées, ne serait-ce que parce qu'il y a la concurrence de la psychanalyse enfin, quant à ce concept. Bon, principe de non-conscience, ou encore principe selon lequel la signification des conduites humaines est inséparable du système de relations sociales dans lequel elle s'accomplit. Oui. Et là, pour le dire brutalement, ça veut dire, pour le sociologue, nature humaine, jusqu'à plus ample informé, je ne connais pas ou je refuse de le faire intervenir dans ma démarche explicative. Oui, enfin, il me semble qu'il faut s'arrêter sur le premier point. Dire que les sujets sociaux se déclarent, se révèlent, ou plus exactement révèlent leur vérité, plutôt dans leur conduite ou dans le système de relations à l'intérieur duquel s'insère leur conduite, que dans leurs propos, dans leurs déclarations d'intention ou dans leurs intentions d'action, c'est dire très concrètement que, par exemple, pour comprendre la situation, ou pour faire la sociologie du cadre moyen, de l'employé de bureau, du petit fonctionnaire au travail, etc., il est beaucoup plus important de connaître la situation objective dans laquelle cet individu travaille, depuis la taille de son bureau, la façon dont est installé ce bureau, l'équipement dont il dispose, les horaires auxquels il est soumis, etc., etc., que de connaître les discours, les propos, les représentations que l'individu a de ses relations. Et en fait, les représentations que l'individu a de ses relations objectives, qui définissent la vérité objective de ce qu'il est, sont très souvent l'écran qui interdit d'accéder à la vérité objective qui est dans ses relations. Je crois que c'est pour ça que le sociologue doit revendiquer, dans cette rupture
avec les principes de la sociologie spontanée, dans cette rupture par laquelle il accède à la théorie proprement sociologique de la connaissance du social, le sociologue ne doit pas craindre d'aller au-devant, enfin de donner donner des armes à l'image positiviste que l'on se fait souvent de sa pratique. Enfin, autrement dit, il y a bien sûr cette image tout aussi publique que les autres que nous avions énumérées de la sociologie, à savoir la sociologie comme réductrice de ce qui fait le sens proprement humain des conduites humaines, c'est-à-dire la vieille série d'anathèmes, du moins dans la tradition humaniste de la philosophie, enfin qui cloue au pilori Comte, Taine et Durkheim. Le sociologue, au fond, sinon il ne s'en sortira jamais, ne doit pas craindre de paraître réduire, parce qu'il les construit à sa manière finalement, les conduites humaines. Et c'est pourquoi on comprend, il me semble, que l'humanisme, que c'est l'humanisme qui est en tout homme, qui résiste au projet sociologique. Parce qu'au fond, que veut faire le sociologue? Il apparaît à l'homme qui agit comme voulant le déposséder de la vérité personnelle de son expérience vécue. Il vient lui dire, ce n'est pas en vous-même, ce n'est pas en vous interrogeant, et même si profondément que vous interrogiez, et même en allant jusqu'aux élégances de l'interrogation de type psychanalytique qui fait intervenir l'hypothèse de l'inconscient, ce n'est pas en vous-même que vous trouverez le sens de ce que vous faites. C'est donc une tentative de dépossession. Par exemple, pour donner un autre exemple concret, la vérité de ce que c'est que d'être paysan n'est pas dans ce qu'un paysan peut répondre à la question « qu'est-ce que c'est que d'être paysan ?». Si l'on a eu la naïveté de poser cette question, on sait d'avance le discours que l'on entendra, la terre est basse, c'est un métier impossible, vive la ville, etc. Bon, la réponse est dans la forme des champs, dans la structure de l'espace, dans l'opposition entre un certain type de champ clos et un certain type de champ ouvert, etc. Elle est dans tout un ensemble de données que Durkheim appelait morphologiques, qui sont inscrites sur le sol, qui sont inscrites sur les cartes, qui sont inscrites sur les photographies aériennes. Bon, et c'est en faisant cette espèce de détour fondamental, autour des discours, que l'on peut découvrir et la vérité de ce que les gens sont, et surtout la vérité de ce qu'ils disent, de ce qu'ils sont. Je me dis évidemment que nous avons employé le mot d'humanisme dans un sens assez particulier, qui n'est peut-être pas habituel, lorsque nous l'avons présenté comme l'obstacle épistémologique par excellence que doit surmonter le projet sociologique, parce qu'après tout, nous entendions uniquement par là l'image spontanée que tout homme se fait de la connaissance de l'homme comme connaissance facile et susceptible d'être immédiate, réflexive. Au fond, nous entendons par humanisme l'illusion de la science infuse dès lors que c'est la science de l'homme qu'on veut se donner. Et c'est pourquoi la négation, qui a peut-être pu ressembler à une attaque contre l'humanisme, n'a pas d'autre contenu que l'affirmation des trois principes par lesquels nous avons essayé de définir la théorie de la connaissance du social en tant que telle, en tant qu'elle est le fondement d'un travail proprement sociologique, c'est-à-dire le principe de la non-conscience, dont je rappelle que ça signifie simplement qu'on s'interdit par décision de méthode de faire l'hypothèse que c'est en interrogeant la conscience, et fût-ce en la mettant à la question de telle ou telle méthode, de sondage, d'enquête, etc., qu'on se refuse à faire l'hypothèse que la conscience puisse nous donner l'explication des comportements humains qu'on essaie d'expliquer sociologiquement. Deuxièmement, le corollaire de ce principe de la non-conscience, c'est-à-dire le primat des relations, et ce qui en découle directement, troisièmement, l'affirmation que la vérité d'une conduite humaine, quand on veut la comprendre sociologiquement, ne peut absolument pas être autonomisée de la connaissance du système de relations dans lequel la conduite prend place. Système institutionnel ou système beaucoup plus implicite de règles qui contraignent subtilement les comportements et que les sociologues prennent effectivement comme objet. Oui, alors c'est donc toutes les formes de référence à une nature que le sociologue met en question, et en particulier les formes les plus subtiles sous lesquelles réapparaît la notion de nature, qu'il s'agisse des notions de tendance, de besoin,
Et pour illustrer enfin, cette sorte de mise en question nécessaire que le sociologue doit opérer, je me référerai par exemple à un des domaines où la conscience commune, surtout la conscience cultivée, tend à situer l'illusion de la nature, l'illusion de la nature humaine. Je pense à ce qu'on pourrait appeler l'amour de l'art. Dans l'expérience de l'art, la conscience cultivée tend à voir une expérience profondément naturelle, enfin qui serait donnée à quelques-uns plutôt qu'à d'autres. Il y aurait en art des aveugles de naissance et des clairvoyants de naissance. Oui. Il faudrait dire que cette structure de la conscience cultivée culmine évidemment dans la conscience des artistes eux-mêmes qui en fournirait le révélateur. Oui, ce sont toujours les virtuoses enfin, qui sont les plus enclins à l'illusion de la grâce. Bon. Et je pense donc que sur un problème comme celui-là, on verrait très bien en quoi consiste le travail du sociologue. Le travail du sociologue consiste à rappeler qu'une conduite, qu'une attitude, qu'une aptitude, qu'un don, entre guillemets, ne peut pas être compris complètement indépendamment des conditions sociales qui le rendent possible. Bon. C'est-à-dire que devant tout problème, enfin, le sociologue pose une question qui pourrait être comprise comme une reformulation de la question kantienne la plus traditionnelle, à quelles conditions sociales telle attitude ou telle conduite est-elle possible ? Bon. Et devant, par exemple, l'expérience du jugement de goût, la critique sociologique du jugement de goût consiste à demander à quelles conditions quelque chose comme un sujet cultivé vivant le jugement de goût comme Kant le décrit, par exemple, bon, est-elle possible ? Bon, ceci dit, on est immédiatement renvoyé aux conditions sociales dans lesquelles se produit l'homme cultivé, et par exemple, on voit immédiatement que l'amour de l'art et l'amateur d'art sont le produit d'une éducation scolaire, etc. etc. Bon, et on voit aussi immédiatement comment l'explication sociologique rend compte à la fois du jugement de goût et de la représentation idéologique du jugement de goût qui naît du fait qu'on coupe le jugement de goût des conditions sociales qui le rendent possible. La part des visiteurs qui ont l'attitude la plus sacralisante à l'égard du musée décroît très fortement quand la position sociale s'élève. 66% des membres des classes populaires associent le musée à l'image d'une église, contre 45% dans les classes moyennes, et 30,5% dans les classes supérieures. La proportion des sujets qui souhaitent que les visiteurs des musées soient peu nombreux passe de 39% dans les classes populaires à 67% dans les classes moyennes et 70% dans les classes supérieures qui préfèrent l'intimité choisie de la chapelle à l'affluence de l'église. Bon. Alors là, je crois qu'on arrive à quelque chose d'assez central. En effet, nous avons dit que le sociologue doit, par décision de méthode, enfin, couper en quelque sorte rompre avec le discours spontané que les gens font sur leur expérience. Bon. On voit immédiatement comment, en coupant avec ce discours, le sociologue se donne les moyens de rendre compte de la vérité que ce discours cache et du discours lui-même. Oui, ce qui vient d'être dit ne devrait pas faire croire que la rupture avec la sociologie spontanée est toujours aussi facile. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de croire qu'il suffit d'envoyer promener à la manière platonicienne la sociologie spontanée, c'est-à-dire ce que disent les gens qui ne sont pas sociologues, qu'il suffirait au fond de cette attitude superficielle de rupture avec les signes les plus extérieurs de la sociologie spontanée pour être ou pour devenir sociologue. En réalité, la rupture avec la notion de nature humaine, comme ce qui interdirait radicalement qu'un discours ait quelque apparence sociologique que ce soit, cette rupture n'est pas aussi facile que pourrait nous l'avoir appris une tradition scolaire, par exemple celle du secondaire, qui nous a assez vite et assez tôt familiarisés avec la critique pascalienne, ou dans les textes de Montaigne aussi, de l'illusion de la nature humaine et du discours sur la coutume. En réalité, bien sûr, plus personne, enfin, si, ça arrive quand même, enfin, il est tout de même assez rare que
ce soit cette nature humaine des explications des pièces classiques du XVIIe, ce mythe de l'âme humaine qui pèse sur la sociologie. Ce sont des formes beaucoup plus subtiles de l'essentialisme à l'œuvre dans une pensée qui s'exprime à travers la catégorie de nature humaine, c'est-à-dire des formes qui ont revêtu une apparence savante. J'en prendrai des exemples justement dans le discours sociologique. Et ce sont même des mots, ce que je vais prendre pour exemple, à savoir les mots de prestige, de recherche du pouvoir ou de recherche du profit. Ces schèmes explicatifs ont une apparence sociologique et en réalité, dans la plupart des analyses où ils interviennent, lorsque l'on creuse, on aperçoit qu'ils ne font que monnayer d'une manière plus moderne et en apparence plus irréprochable les vieux mécanismes de la nature humaine, c'est-à-dire au terme desquels rien n'est nouveau sous le soleil. De même que nous avons rectifié l'image humaniste, cette vérité première qui n'est qu'une erreur première, nous avons, me semble-t-il, à rectifier maintenant l'image positiviste de la sociologie que nous avons endossée à dessein et consciemment. En effet, il serait dangereux de croire que la sociologie se contente enfin d'évacuer les représentations conscientes que les sujets ont de leur action sociale, d'évacuer même le discours que les sujets sociaux tiennent sur ce qu'ils font. La tâche de la sociologie n'est achevée que lorsque elle s'est donné les moyens d'expliquer ce discours qu'elle a évacué et qu'elle a dû évacuer pour pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire que la sociologie doit rendre compte non seulement des relations objectives, des régularités objectives auxquelles obéissent les conduites, mais aussi de la relation que les sujets entretiennent avec ces relations objectives. Oui, là on pourrait prendre n'importe quel exemple. Par exemple celui de la vocation pour tel ou tel type d'études, les mathématiques plutôt que les lettres, que se reconnaît, que vit psychologiquement telle ou telle catégorie d'étudiants, c'est-à-dire selon son sexe ou selon son origine sociale, il serait inutile, c'est ce que nous avons essayé de dire, il serait vain de trop attendre du discours que tiennent sur leur vocation les étudiants, quand il s'agit de faire la sociologie de la vocation. Mais, et il faut s'adresser à la statistique objective qui nous montre comment, en fonction de leur, qui nous dit comment, en fonction de leur sexe ou de leur origine sociale, les étudiants sont plus ou moins représentés dans tel ou tel type d'études. Il ne faut pas lire seulement dans ce tableau l'inégalité des chances d'accéder à l'enseignement supérieur selon l'origine sociale ou le sexe. Il faut y chercher aussi le moyen de comprendre les attitudes des enfants originaires de ces différentes catégories à l'égard de l'enseignement. Les espérances subjectives sont fonction des chances objectives. Mais, troisième et dernier moment, il me semble que, armé de cette connaissance des régularités objectives, on peut alors comprendre le rapport que les diverses catégories d'étudiants ainsi définies entretiennent avec ces régularités. Oui, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre comme vocation, ce qui n'est souvent qu'un destin. Et donc, si nous voulions à tout prix, enfin, accorder une certaine spécificité à la sociologie, nous dirions que, comme les autres sciences, elle a pour tâche de saisir les régularités objectives auxquelles obéissent les conduites humaines, avec une tâche supplémentaire, celle de décrire les rapports plus ou moins idéologiques, plus ou moins fantasmagoriques que les sujets sociaux entretiennent avec ces régularités. Et si on voulait trouver à tout prix une spécificité de l'épistémologie des sciences de l'homme par rapport à l'épistémologie des sciences de la nature, il me semble qu'on pourrait la trouver dans cette nécessité de prendre pour objet, outre les régularités objectives, le rapport des sujets aux régularités objectives, parce qu'après tout, les planètes ne tiennent pas de discours sur les régularités auxquelles elles obéissent. Nous affirmons donc que la sociologie est une science comme les autres et qu'elle rencontre des difficultés particulières du fait qu'on tend à lui contester le droit d'être une science comme les autres. Et ceci est vrai au fond aux trois niveaux
où agit la pratique scientifique, c'est-à-dire, comme nous le disait Bachelard, au niveau où le fait scientifique doit être conquis, au niveau où il doit être construit, et au niveau où il doit être éprouvé, mis à l'épreuve des faits. Nous avons affirmé, contre l'illusion de la transparence, que la sociologie doit être une science expérimentale. Au niveau de la construction du fait, il nous faudrait maintenant affirmer contre l'illusion positiviste que les faits, il suffit de les constater, c'est-à-dire que les faits sont des données, il nous faudrait maintenant affirmer que la sociologie est, enfin peut-être, doit être une science théorique. Oui, il y a en effet tout un tas de raisons enfin, qui convergent pour inciter le sociologue à l'illusion du constat, c'est-à-dire à l'illusion que son objet lui est donné, tout fait, tout préparé, dans la réalité même. Avant d'examiner ces différentes incitations enfin, à l'illusion du constat, il faudrait essayer peut-être de définir ce que signifie la notion de construction dans le cas particulier de la sociologie. Et pour cela, je crois qu'il suffirait d'un exemple. L'expérience quotidienne du social nous donne, en ordre dispersé, des phénomènes tels que l'écoute de la radio, l'écoute de la télévision, l'assistance à un concert, la fréquentation d'un musée, la compréhension du langage d'autrui, la compréhension de la civilisation d'une autre société, d'individus appartenant à une autre tradition culturelle, et tant d'autres phénomènes, l'emprunt culturel, le fait, par exemple, qu'une civilisation emprunte à une autre une manière de vivre ou un ustensile, etc. Tous ces phénomènes, profondément séparés au niveau phénoménal, enfin au niveau de la perception commune du social, me paraissent constituer un seul et même objet construit. Bon, cet objet construit, on pourrait par exemple l'appeler culture, c'est-à-dire que dans tous les cas, qu'il s'agisse de comprendre une œuvre d'art ou de comprendre l'individu d'une civilisation étrangère, il s'agit dans tous les cas d'engager une médiation, d'engager un code par exemple, pour employer un terme simple, qui est ce qui permet le déchiffrement de cette œuvre. Bon, on voit là un exemple de construction d'objets qui apparente, enfin la sociologie, qui s'apparente aux constructions d'objets que réalise la science physique. Et dans une certaine mesure, de la même façon, et je dis bien dans une certaine mesure et toute chose égale d'ailleurs, de la même façon que Newton enfin, rapprochait des phénomènes séparés phénoménalement, à savoir la chute des corps, le mouvement des planètes et le mouvement d'un projectile, de même, le sociologue cesse d'être l'objet, enfin, d'être manipulé en quelque sorte par son objet, cesse de se laisser imposer son objet par la réalité objective lorsqu'il substitue une théorie, disons, de la communication à la pure et simple description de phénomènes aussi disparates que ceux que j'ai énumérés. Oui, toujours avec cette différence, et qu'il est infiniment plus difficile d'apercevoir et surtout de mettre en œuvre la distinction entre l'objet réel, l'objet qui se donne à la perception, et l'objet construit, au terme et à travers un travail théorique, par exemple, en sociologie que dans les autres sciences. Enfin, autrement dit, ce serait à peine la peine, si nous entendions parler des sciences de la nature, enfin, de montrer que le physicien ne travaille pas sur les objets de la perception, et qu'il les construit en rupture avec les objets de la perception, c'est fait depuis le XVIe siècle, par exemple, dans l'histoire de la science physique. Mais le problème qui nous occupe, c'est justement qu'en sociologie, chacun est persuadé que ce sont ces objets aisément reconnaissables. Les gens prennent des vacances, il y a des jeunes et ça pose des problèmes parce que les jeunes sont délinquants, en tout cas il y a de jeunes délinquants. Ces objets qui se donnent directement et puis surtout qui se donnent avec tout le poids de ceci, qu'ils apparaissent comme des problèmes sociaux urgents à résoudre, font que puisqu'ils sont des problèmes sociaux, on a la demande publique tend au fond à les repasser aux sociologues comme objet sociologique. C'est la confusion entre problèmes sociaux et objets d'études sociologiques. Il faudrait affirmer assez fortement que les problèmes sociaux ne sont pas en tant que tels les objets construits du travail et de l'explication sociologique. Oui, donc c'est tout un ensemble d'objets préconstruits qui ont reçu une définition sociale et dont la sociologie d'ailleurs peut rendre compte, que la réalité sociale propose aux sociologues. C'est-à-dire que la réalité sociale s'avance
vers le sociologue avec en quelque sorte la prétention à détenir sa propre théorie. C'est pourquoi la rupture avec cette théorie qui est en quelque sorte inhérente à la réalité sociale suppose un coup de force théorique, enfin beaucoup plus difficile, nous semble-t-il, dans le cas de la sociologie. Difficile en ce sens qu'il ne demande peut-être pas, enfin cet héroïsme qui est la rupture avec la géométrie euclidienne dans les géométries non euclidiennes, c'est pas une rupture aussi éclatante du point de vue théorique, mais c'est une rupture toujours recommencée. Et je crois que là, il faudrait parler du langage, parce que si la rupture avec la sociologie spontanée et l'effort pour construire les problématiques proprement sociologiques, on n'en a jamais fini en une fois, c'est-à-dire que dans tout travail, à tous les moments d'un travail de recherche, il faut sans cesse remettre à la question les idées sur lesquelles on pense, les mots qu'on emploie pour penser, etc. C'est parce que la tâche de rupture et de construction est une tâche qui, en sociologie, est toujours à recommencer contre les infiltrations de la sociologie spontanée qui passe par le langage. Le langage étant ici l'instrument de cette infiltration de la sociologie spontanée dans le discours savant. Oui, alors, et le discours savant reprend à son compte un certain nombre de catégories de découpage de la réalité. Par exemple, il existe une division du travail sociologique selon les catégories de sociologie du travail, sociologie du loisir, sociologie des moyens de communication moderne, etc. Autant d'objets qui sont communs au sens commun et à la science qui devrait être en rupture avec le sens commun. C'est un peu comme si on affirmait dans les sciences physiques que la vraie classification des sciences physiques se fait entre sélénographie, océanographie, géographie, aux sciences de la Terre par exemple, c'est-à-dire selon les objets réels qui, en tant que tels, appartiendraient en propre à une discipline et la définiraient. C'est ça. Et alors plus profondément, c'est tout l'ensemble des schèmes de pensée qu'utilise le sens commun pour rendre compte de ses expériences sociales que le sociologue risque toujours de laisser s'introduire dans sa science. Et par exemple, le vocabulaire, enfin, charrie tout un ensemble de présupposés sociologiques. Le sociologue doit donc opposer une vigilance particulière contre toutes les infiltrations du discours commun et de l'expérience commune du social. En effet, le discours commun s'impose avec une force tout à fait particulière dans la mesure où les objets préconstruits qu'il propose ont pour eux toute la force que leur donne la société qui les véhicule. Lorsque le sociologue reprend le concept de loisir, c'est tout un ordre social enfin, qui est derrière ce concept et qui le lui propose. Et d'autre part, les notions les plus élémentaires enfin, de la sociologie sont toujours chargées d'une philosophie du social qui est celle du sens commun. Il y a peut-être même une raison intrinsèque à ce pouvoir de la sociologie spontanée en sociologie, c'est que les objets sur lesquels travaille le sociologue, ce sont après tout des gens et ils ont donc cette particularité qu'ils parlent et qu'ils parlent beaucoup. Et comme les faits du sociologue sont des objets qui parlent, la tentation est évidemment très grande de les écouter parler, c'est-à-dire de les prendre au pied de la lettre. Oui, je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire que c'est peut-être la malédiction de la sociologie d'avoir affaire à des objets qui parlent. En effet, c'est l'illusion même du constat qui est incarné dans l'expérience première de la situation expérimentale telle qu'elle se présente au sociologue. Le sociologue est quelqu'un qui observe, le sociologue est quelqu'un qui interroge et quelqu'un qui enregistre. Bon, tous ces actes fondamentaux enfin, de l'observation enfin, scientifique en sociologie semblent véhiculer enfin, avec eux une certaine épistémologie spontanée qui est un positivisme. Et je crois qu'il ne serait pas forcé de dire, enfin, que, étant donné le rapport particulier que la sociologie entretient avec la forme commune, enfin, de la sociologie, c'est-à-dire avec la sociologie spontanée, elle est en quelque sorte condamnée à osciller perpétuellement entre deux obstacles épistémologiques fondamentaux et entre deux formes d'erreurs épistémologiques. D'une part, l'intuitionnisme qui est dans le prolongement de l'illusion de la transparence et de l'illusion de l'immédiateté, et d'autre part, le positivisme qui est dans le prolongement
de l'illusion du constat, de l'illusion que les faits sociaux sont des données dont on peut économiser la construction. Oui, et là, les instruments professionnels du sociologue sont aussi, d'une part, inévitables, mais d'autre part, dangereux dans la mesure où mal utilisés, c'est-à-dire utilisés sans vigilance épistémologique, ils tendent à renforcer cette deuxième illusion. C'est-à-dire que si l'on pense à ce qu'est un questionnaire, à ce que sont les entretiens, entretiens dirigés ou entretiens non dirigés, c'est-à-dire situations où le sociologue dit aux gens de parler et puis il les écoute, il enregistre. Si on pense à ce que sont ces instruments de recueil de l'observation, enfin qui font quand même une part importante du travail sociologique, on voit que faute de se demander, étant donné la théorie de l'objet, ou étant donné la théorie de l'instrument, ce que les instruments font à l'objet, le sociologue est professionnellement, enfin, professionnellement porté dans la mesure où il ne contrôlerait pas l'exercice de son métier par un questionnement épistémologique, il est quand même menacé perpétuellement de croire qu'il suffit d'aller demander aux gens qui agissent ce qu'ils font, pourquoi ils agissent, pourquoi ils font une chose plutôt qu'une autre, pour construire, pour construire par cela seul la science de ses comportements. Oui, et pour montrer enfin à quel point il est difficile de trouver les antidotes enfin, à cette sorte de maladie infantile enfin, inhérente à la pratique sociologique, je voudrais prendre un exemple. Bon, soit une question tout à fait naturelle s'agissant d'une enquête sur le travail. Il s'agissait d'une enquête au cours de laquelle on demandait à un échantillon d'individus prélevés dans différentes régions de l'Algérie, avez-vous travaillé aujourd'hui ? Et à l'analyse, on observait que entre des individus habitant les régions kabyles et des individus habitant le sud de l'Algérie, c'est-à-dire les régions présahariennes, on observait des différences très grandes dans le taux de gens qui répondaient oui ou non à la question, alors que, objectivement, la situation économique des deux régions était à peu près équivalente. Bon. Alors, devant pareille contradiction, enfin, entre la réalité objective et les réponses des sujets, le sociologue aurait pu conclure naïvement l'absurdité de sa question ou à la mauvaise foi des répondants, alors qu'en réalité, il s'agissait non pas de questionner les réponses, mais de questionner la question. Et c'est là l'illustration très précise de ce que nous avons tout au long appelé vigilance épistémologique. Et dans le cas particulier, il s'agissait de voir très précisément que les différences s'expliquaient grosso modo par le fait que les individus qui répondaient oui ou non à cette question se référaient implicitement à des philosophies du travail et du non-travail qui étaient plus ou moins éloignées de la philosophie du travail et du non-travail que le sociologue avait mis dans sa question. C'est-à-dire que dans la région kabyle où le contact avec la civilisation industrielle est plus intense, les individus disaient « je n'ai pas travaillé » lorsqu'ils n'avaient pas travaillé contre un revenu en argent, c'est-à-dire lorsqu'ils n'avaient pas travaillé au sens où nous l'entendons, bon, et en quoi leur philosophie du travail était à peu près en coïncidence avec celle du sociologue, alors que dans le Sud, les individus pouvaient dire qu'ils avaient travaillé, lors même qu'ils n'avaient pas travaillé au sens où nous l'entendons, lors même qu'ils s'étaient contentés de remplir leurs tâches d'homme, et pour un vieillard, par exemple, d'assister aux parlottes de village, enfin ce qui fait partie de la fonction d'homme, et ce qui, en ce sens, constitue un travail. Bon, on voit là donc comment le retour réflexif enfin, sur la signification des instruments et sur l'efficacité propre des instruments est la condition de la construction réelle de l'objet, faute de quoi on construit l'objet sans le savoir, c'est-à-dire que l'objet préconstruit s'impose, ou bien il est construit selon des présupposés. D'ailleurs, c'est de toutes les opérations du travail sociologique qu'il faudrait redire la même chose, c'est-à-dire non seulement du fait de poser une question dans un questionnaire, mais de ces actes généralement présentés comme subalternes et du coup laissés souvent dans l'organisation de la recherche un personnel lui-même subalterne, à savoir le codage, enfin, c'est-à-dire cet acte si simple qui consiste, pour que l'information recueillie soit susceptible d'un traitement statistique, par exemple, à la faire passer dans un autre langage, qui est celui, par exemple, qui permet de construire les tableaux ou aux machines de traiter ce matériel. Donc le codage, et même
l'acte qui semblerait le mieux illustrer l'image positiviste de l'enregistrement, le fait de faire un entretien non directif, c'est-à-dire d'aller chez quelqu'un et de l'écouter parler, de l'inciter à parler, et sans même donner de thème directeur à la conversation. Si l'entretien non directif enfin, jouit d'une telle faveur, c'est peut-être qu'il incarne prototypiquement l'image positiviste de l'enregistrement sans présupposé, alors que, de la même manière, il serait facile de montrer ce que signifie de différent du point de vue sociologique, ce simple fait de parler sans direction, suivant le groupe social du sujet auquel on s'adresse, suivant l'image sociale qu'il se fait de l'enquêteur parce qu'il le situe aussitôt comme appartenant à son propre groupe social ou non. Autrement dit, c'est à propos de toutes les opérations du travail sociologique que la vigilance épistémologique, pour que le sociologue sache vraiment ce qu'il fait, doit engager ce questionnement théorique sur ce que sont les instruments et sur la manière dont on doit construire les problématiques en fonction de ce qu'on se demande. Oui, c'est-à-dire que le sociologue doit engager dans le moindre de ses actes techniques, fabrication d'un questionnaire, codage, analyse d'un tableau statistique, etc., bon, une théorie de la connaissance de l'objet, une théorie de l'objet et une théorie de ce que c'est que de connaître expérimentalement l'objet. Bon, et par exemple, il est évident que si les sociologues confère à ce que l'on appelle les questions indirectes, c'est-à-dire les questions qui ont l'air de porter sur A alors qu'elles portent sur B, et qui aboutissent en quelque sorte à tromper l'enquêté. Enfin, si le sociologue confère à ces questions un privilège, c'est fondamentalement parce que il incarne dans le primat conféré à ces questions l'obéissance au principe de la non-conscience. Il faudrait en venir à dire positivement ce que signifie concrètement actualiser les principes d'une théorie de la connaissance du social dans les actes du métier. Pour prendre l'acte justement le plus rudimentaire, celui qui consiste, parce qu'on peut rarement l'éviter au niveau de la vérification, à faire un questionnaire et à faire passer un questionnaire, cela signifie des choses très précises. Par exemple, il y a des questions de questionnaire qui sont meilleures que d'autres. Alors, les questions, de fait, sont meilleures que les questions d'opinion, cela va de soi. Mais plus subtilement, peut-être, on pourrait affirmer que les questions indirectes sont toujours meilleures que les questions directes. Et par question directe, il faut entendre des questions qui consistent à demander au sujet, finalement, d'être son propre sociologue. C'est-à-dire, si je m'interroge sur ce qu'est pour un individu donné l'expérience religieuse, je lui dirais, quelle est pour vous, monsieur, votre expérience religieuse? Est-ce qu'elle est mystique ou rationaliste, etc. Oui, on pourrait dire que la démarche, là, naïve, serait de croire que l'on peut poser au sujet les questions que l'on se pose à son sujet. C'est ça, et par opposition... Et lui poser telle qu'elle. Et par opposition, la question indirecte consisterait à demander, soit à observer des conduites, ce qui est toujours l'idéal, soit à saisir des indicateurs très indirects, par exemple le fait allez-vous à la messe en emportant un missel mettez-vous des cierges à la Madone, enfin, etc. C'est-à-dire qu'il faut éviter deux choses, oui. De demander au sujet les questions de poser au sujet les questions qu'il se pose consciemment, oui. Parce que ça consisterait à croire qu'il peut avoir accès subjectivement à la vérité de sa conduite, et éviter aussi de lui poser les questions que l'on se pose à son sujet. Autrement dit, il faut lui poser les questions qui se posent objectivement à lui, oui. Sans qu'il se les pose. Sans qu'il se les pose consciemment. Alors c'est pourquoi, évidemment, c'est tout honneur, c'est probablement faux, mais enfin, ce n'est que par référence au choix d'une recherche, oui. À la connaissance, enfin, au degré auquel on a réussi à rompre avec les prénotions sur le sujet, oui. Que l'on entend traiter, que les bonnes questions indirectes peuvent commencer à se dégager. Oui, dire c'est tout honneur, c'est parler enfin, de la sociologie comme les artistes parlent de l'art. Et en fait, je crois qu'il faudrait dire la pratique adéquate, enfin, est une pratique dans laquelle le sociologue met en acte les principes fondamentaux de la théorie de la connaissance du social, souvent sans même avoir à se poser la question de ce qu'il fait, parce qu'il a si profondément intériorisé ses principes qu'ils sont devenus en quelque sorte son habitus, enfin, oui, sa façon d'être. C'est ça.
On pourrait dire qu'il y a tellement d'erreurs que l'on peut commettre qu'il faut quand même en éviter un certain nombre par un système d'habitude mentale intériorisé. Parce que s'il fallait, pour éviter une erreur, à chaque fois, en faire la théorie, ce ne serait pas possible. Par conséquent, ce que nous avons appelé théorie de la connaissance du social, cela ne commence à devenir efficace et actif que dans la mesure où c'est intériorisé comme posture intellectuelle. Alors, je crois que pour faire sentir ce que c'est vraiment que cette pratique de sociologue, il n'y a pas de meilleure manière que de raconter, bien sûr, de façon très artificielle et rapide et sous forme de film accéléré, les différentes démarches d'une recherche. Alors, voulant faire cela, on peut, je crois, isoler immédiatement un certain nombre d'opérations. Bon, le sociologue se demande, qu'est-ce que je vais étudier? Je m'intéresse à la perception que les gens ont de l'œuvre d'art et je m'interroge sur les raisons qu'ils ont de fréquenter les musées ou de ne pas les fréquenter. Bon. Ceci dit, il fabrique un questionnaire. Dans ce questionnaire, il injecte un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, il présuppose qu'il y a une relation entre le fait de fréquenter le musée et le niveau d'instruction, c'est-à-dire la culture qu'a reçue spécifiquement le sujet considéré. Ce qui veut dire que dès ce niveau-là, on n'oublie pas de mettre dans le questionnaire la question concernant l'appartenance sociale ou l'origine sociale, parce que si on n'avait pas en vue cette hypothèse théorique, l'hypothèse théorique d'une... Oui, on pourrait oublier de mentionner le niveau d'instruction. Il est très fréquent que dans ce genre d'enquête, justement, on l'oublie. Oui, par exemple, nous pourrions citer un nombre considérable d'enquêtes sur les étudiants dans lesquelles il n'était pas demandé quelle était la profession des parents, ce qui nous apparaît comme déjà un choix idéologique. Alors, il construit un questionnaire. Ce questionnaire, il l'administre à des individus. Il enregistre leurs réponses. Et ensuite, aussi, il analyse ses réponses. Bon, alors cette description, je dois dire, je l'ai faite volontairement positiviste. On trouverait dans beaucoup de manuels, de pratiques sociologiques, des descriptions tout à fait analogues à celles que j'ai faites. Alors, on peut évidemment s'amuser à la retraduire dans un langage épistémologique. C'est-à-dire, par exemple, là, dans ce qui en somme était présenté sous la forme appelée naïve, donc le premier moment, à savoir on mesure ce que font les gens. Il se trouve que ce qui a été mesuré, c'est la fréquentation du musée. Les gens le fréquentent ou ne le fréquentent pas. Alors qu'on aurait pu mesurer, mais mesurer bien d'autres choses. Par exemple, en posant des questions comme « L'art a-t-il une grande importance dans votre vie ?» Est-il pour vous la monnaie de l'absolu? Pourquoi pas. En posant des questions comme ça, on aurait aussi mesuré, parce que les gens auraient répondu oui ou non, il y aurait donc eu un taux de réponse oui, un taux de réponse non. Par conséquent, on voit là, en acte, comment les hypothèses théoriques, et finalement, donc les objectifs de la recherche, et les concepts qui la rendent possible, rapport... entre l'instruction et le comportement cultivé, etc., sont tout entiers présents à chaque fois dans les choix techniques qui font qu'on mesure une chose plutôt qu'une autre. C'est ça. Alors on pourrait montrer ensuite comment, pour continuer, la description de la série des opérations, les questionnaires reviennent, ils sont accumulés dans un laboratoire où ils sont soumis à une analyse, c'est-à-dire qu'on substitue à des réponses soit très fermées, du type « j'ai le baccalauréat », soit à des réponses très ouvertes, du type « la première fois que je suis entré dans un musée, j'avais 12 ans, j'étais avec mes parents », etc. Des réponses donc très souvent très circonstanciées, on substitue des chiffres. Bon, ce qui permet ensuite un traitement statistique des données et l'ordinateur renvoie au sociologue des tableaux de chiffres, c'est-à-dire que l'on voit d'un côté la profession, les différents types de professions et correspondant à chaque type de profession, telle ou telle opinion. Bon, alors on en conclut par exemple que plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus on croit qu'on peut accéder à l'art sans préparation, ce qui est un fait d'ailleurs constaté dans l'enquête. Là aussi, puisque nous en sommes au moment du codage, on pourrait voir qu'il est possible de coder des choses tout à fait différentes. C'est-à-dire, pensons au codage le plus positiviste, qui prend au pied de la lettre les opinions des gens, on pourrait coder simplement le contenu des opinions, favorables, défavorables, à ce niveau de généralité et d'abstraction,
C'est une manière de coder. On pourrait aussi coder, puisque nous pensons à l'influence de l'origine sociale, le type de grammaire ou de lexique utilisé, s'il s'agit de questions ouvertes où les gens ont fait des phrases, le type de grammaire utilisé pour parler de l'expérience artistique. Comme de nombreuses recherches l'ont déjà montré, on peut même coder, pour donner un exemple limite, on peut même coder le fait de ne pas répondre. Oui, aussi, qui est pertinent par rapport aux variables. C'est ça qui peut être tout à fait pertinent. Donc, c'est au niveau du codage, par exemple, puisque c'est l'acte généralement considéré comme le plus annexe, que l'on verrait la présence de la théorie. Oui, on le verrait tout au long. C'est-à-dire que si ensuite nous passons à l'analyse des tableaux, à la recherche des relations, il est évident que un tableau ne parle pas. Enfin, il ne parle pas de lui-même. Grâce à Dieu, déjà les sujets parlent assez et proposent assez d'hypothèses. Les tableaux ne disent rien et ils ne répondent que si on leur pose des questions. C'est-à-dire que il faut avoir à l'esprit une hypothèse, sur ce que peut bien vouloir dire une certaine distribution statistique pour que cette distribution parle. Donc, alors plus généralement, si on accélère un petit peu le film, je crois que on voit très bien que dans une certaine mesure, on peut dire qu'une démarche sociologique complète va d'une théorie provisoire à une théorie confirmée ou rectifiée. Et je crois que ce serait une définition qu'admettrait assez facilement tout spécialiste des sciences de la nature. Bon. Alors, dans le cas, par exemple, de la fréquentation des musées, nous sommes arrivés, par exemple, à construire un modèle mathématique de la fréquentation du musée, permettant de rendre compte des relations objectives qui s'établissaient entre le niveau d'instruction et l'intensité de la fréquentation. Bon, ce modèle mathématique qui permet de prévoir ce que sera par exemple le public des musées dans une vingtaine d'années, bon, et plus largement, ce modèle, en partie par la vertu des mathématiques, se généralise assez facilement à d'autres domaines. Il faut peut-être ralentir un instant, surtout si l'on parle de modèle prévisionnel, parce que au moment de l'explication où on est arrivé ici, cette explication n'est pas encore du tout complète. C'est-à-dire qu'on a établi, par les moyens de la mesure, qu'il existe une relation statistique entre, d'une part, le niveau d'instruction des sujets et, d'autre part, leur rapport au musée, c'est-à-dire leur taux de fréquentation du musée. Ou plus simplement, que les gens vont d'autant plus au musée et, par exemple, s'arrêtent d'autant plus longtemps devant un tableau au cours de la visite, qu'ils appartiennent à des classes sociales plus haut situées dans la hiérarchie des formations scolaires. Mais cette relation statistique, seul un positiviste pourrait dire qu'elle explique le phénomène que nous avions à expliquer, parce qu'elle permet de le prévoir. C'est ça. Telle qu'elle est, elle reste un pur fait dont il faut encore rendre raison. C'est un fait dépourvu de signification. Et en ce sens, on voit que on peut donner au mot de compréhension un sens tout à fait autre que celui qu'il a dans l'opposition traditionnelle entre compréhension et explication. Comprendre cette relation... Et qui n'est pas du tout différent que du sens que le mot a dans les sciences de la nature. Oui, c'est rendre intelligible. Et on pourrait dire, dans une certaine mesure, que la sociologie comprend le mouvement des planètes et même, par surcroît, la fausse compréhension que ces planètes, que sont les individus sociaux, croient avoir de leur mouvement. Mmh.